Ça va Baptiste? Ça va Kevin? Ouais. Bah je pense qu'il faut aussi voir mettre les bouts déjà dans le truc, voir comment ça s'empile. Mmh. Les solutions elles vont s'éclaircir naturellement quoi. Après on peut aussi se les mettre avec un renvoi 90 là et on les fait longer là quoi. Ouais, ouais sur les côtés c'est pas mal. Ouais. En fait c'est cette distance là qu'on a du mal entre le winch. Est-ce qu'on arrive à. Est-ce qu'on est comme ça ou pas? C'est ça qu'il faut voir qu'on sur la maquette. Tu prends un tour, deux tours, trois tours. Et tu vois, en fait, si là on vous mettre une poulie ici en intérieur pour que ça reparte, en fait c'est con, mais t'as rien derrière pour fixer quoi. Faudra dire que si tu garnis ton winch, tu mets deux trois coups de colonne, que t'es pas allé jusqu'à l'autre bout du monde, ça, puis là tu ouvres, puis tu choques. Ouais. Donc là pour l'instant, le parti pris c'est plutôt de renforcer ici que de mettre une cadenne, tout ça. Ouais. On travaille sur pas mal de dossiers ici en interne, et après il y a un échange avec les architectes, c'est-à-dire qu'on va pas envoyer un plan comme ça sans leur dire ce qu'on fait et sur quoi on travaille. Donc, c'est des échanges permanents. Quand il y a des questions, bah voilà, ça téléphone ou par Skype ou par tous les moyens de communication qu'on connaît. Et au final, non, il n'y a pas un plan archi, un plan Banque Populaire. On pourrait dire que ça reste un trimaran qui va faire 30 mètres de long, 20 mètres de large. Enfin, voilà, c'est sûr qu'après, quand on regarde en détail, on voit plein de petites choses assez novatrices. Des fois, sur les plans comme ça, il faut vraiment zoomer, regarder les détails parce que c'est important, ça a son importance.